C'est une maison qui est très fidèle aux artistes qu'elle suit et qui porte les gens qui les inspirent. Il y a un rapport avec les arts. J'étais très impressionnée par ce décor. C'est un peu les lignes architecturales de la Villa Noué. Ça donnait vraiment la sensation d'être à l'intérieur de la maison, de voir défiler les mannequins par les fenêtres et nous d'être les invités de la Villa Noué. On était les artistes en résidence. Chanel est inscrite dans l'actualité créative du moment. Ça se voit partout. Ça se voit dans le décor ici, dans la collection, dans les actions que Chanel a décidé de soutenir dans les domaines de la création, à la Villa de Noailles et dans beaucoup d'autres endroits. Tout ça montre à quel point Chanel est connectée à l'actualité, à la vie moderne et contemporaine. Et ça, je pense que pour l'avenir des maisons, c'est très, très important. Faire cette démonstration aujourd'hui de célébrer le centenaire d'un petit centre d'art en province, c'est quand même un beau témoignage d'une maison aussi prestigieuse et aussi importante qui reste connectée à la vie quotidienne du pays.